Avant les premiers tours de manivelle, faudrait tout de même qu'on se mette d'accord sur un sujet. Je pensais qu'on pourrait tourner une musicale sur la retraite des vieux. Ou bien la sécurité sociale pour les âges. Oh, tu sais, la sécu. Et puis, je vais vous dire, on ne fait pas de bonnes histoires avec de bons sentiments. Aussi, tenez, la Bible est chef-d'œuvre. Tiens, c'est vrai ça, la Bible. Il y a un tas de sujets neufs à prendre dans la Bible. Par exemple, Adam recevant une lettre anonyme. Ou bien Caïn disant Édom à l'arbre de son frère. Ou encore le naufrage de Noé. Qui était encore sous ce jour-là. Tout ça est bien anecdotique. Pour moi, la seule chose qui compte dans la vie, c'est l'amour. On va te mijoter un beau sujet de film sentimental. Oh, je suis sûr que ça te plaira. Voilà, j'ai trouvé. Suivez-moi bien. Le sacristain de Notre-Dame des Sept Péchés Capitaux s'éprend de l'enfant de Marie repenti. Oh, et avec une intrigue policière terrible, tous deux s'enfuient en emportant le denier du culte. Génial. Le célèbre commissaire Smith se lance à la poursuite. De mieux en mieux, décidément. Mais le mystère s'épaissit. Le tronc des pauvres disparaît à son tour. Des demeurés, vraiment, des Mongoliens attardés. Tu n'aimerais pas une action pleine de mystères et... avec des séquences qu'on tournerait la nuit. Tiens, attends, tu vas voir, je vais éteindre. Le sacristain Félon et Mona, sa complice, vont cacher leur butin dans le vieux cimetière. Mais non, j'ai peur! Tandis que la forêt hantée frissonne au bruissement de chaînes innommables. Oui, eh bien, je crois que tu ferais mieux de rallumer. Ah bon? Alors pourquoi pas un film historique, en costume d'époque? D'Artagnan, tombé amoureux d'une vedette de cinéma. On n'a pas de costume d'époque. Ah bon? Un western. Et si on essayait d'inventer une histoire qui soit encore plus bête que de John Ford? Sans aller jusque-là... D'accord pour un western. Mais comment se procurer une douzaine de chevaux? En situant l'action dans un salon, on n'aurait pas besoin de ces sales bêtes. Ah, je vois très bien l'histoire commençant ainsi. De paisibles retraités de la SNCF boivent leur Ricard en discutant du tiercé. Il ne resterait plus qu'à trouver un titre percutant. Tout à fait, dans le style des westerns en peau de la tête. Par exemple, pour une poignée de jetons de téléphone. Et les aventures exotiques, ça ne vous plairait pas davantage? Dans la forêt vierge, une fille de la brousse, vierge également, est tombée d'un officier des pannes académiques. Un civil! Mais pour plaire à la belle, il s'est déguisé en immigré des tropiques.
Non, il serait stupide, il ne fera même pas 3 strapontes. Tu crois? C'est trop invraisemblable, cet officier d'académie qui se déguise. À qui ferez-vous croire une chose pareille? Quand on a une belle décoration comme ça, on ne la cache pas. Écoutez, moi j'ai trouvé. Là où il n'est nul besoin de costume, de chevaux ou de décoration, c'est l'érotisme. Oh oui, c'est une idée. On fout une meilleure poêle. Ah non alors, ne comptez pas sur moi. D'ailleurs, maman ne veut pas. Bob pourrait demander à sa sœur. J'aime bien le bras se laisser faire. On peut toujours essayer. J'ai 2 copains qui sont ceinture noire. Ha! Tu ne connais pas ma sœur. Oui, je pense qu'il sait à cette idée. Alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Un sujet neuf, bien de notre époque. Les soucoupes volantes. Oui, c'est vrai, les ovnis sont à la mode. Après tout, pourquoi pas? Un ovni, par le temps, le silence des premiers âges. Un suspense terrible. Oui, c'est angoissant. La terreur de l'an 1000 provoquée par l'antise atomique. Alors, un peu partout, des associations sportives organisent des meetings de protestation. À l'instigation d'agitateurs écologistes. Ah, ce serait pas mal ça. Oui, un côté neuf. Allons plus loin, l'OVNI survole les siècles. Bonjour, monsieur Kinz. Oh, appelez-moi Louis. Et l'OVNI, après le sacre, assiste à... Mais quelle idée d'avoir donné à cette bataille de nom d'une gare. 70, le siège de Paris. L'Alsace va changer de main. La belle époque. On pourrait montrer le détecteur du deltaplane. Pauvre Icare. Les voitures japonaises envahissent le marché. C'est à cette époque, je crois, qu'un marchand de lait étant parti avec la Joconde sous le bras, on a cru qu'on s'était enfin débarrassé de cette horreur. 1914. Ah, ça, au moins, c'est abîmé. Moi, ce que j'aimerais tourner, ce serait un beau film de guerre. Quelque chose de très vrai, avec du sang partout. Ah mon Dieu, quelle horreur! Et avec une bande de son formidable. Et comment? Pas de belle assassin carrière à malprestance? Oh non, l'abattoir, c'est tout. Eh bien, avec un si noble sujet saloté comme ça, on ne fera pas 10 fautes. L'Alsace change de main. Et voici les Américains. Borutra remporte la Coupe d'Avis. Hitler devient la grande vedette du hit parade. Et les gens dansent le Charleston. En attendant la drôle de guerre et 1940, l'année qui est les frais débuts du tourisme de masse. Ainsi que les premiers essais réussis de camping sauvage. L'Alsace en profite pour changer de main. Ah, enfin, ils ont débarqué. À peine est-on désoccupé qu'on commence par tondre les femmes de mauvaise vue. Celles qui distinguent mal les bons uniformes des mauvais. Et tout le monde devient résistant. Et l'Alsace se change de main. Et l'avenir, la conquête de l'espace. Un western futuriste. Ah non, alors. Oh, y'a pas plus con que la science-fiction. Et si c'est pour refaire des films aussi stupides que 2001 et les suivants? Ces univers rimes qui font rêver à des voyages impossibles. Que penseriez-vous d'un film terrible? Le règne des robots. L'Alsace? Ah non, la ferme. Et d'ailleurs, on n'a pas de robots. Et on n'a toujours pas trouvé de sujet. Alors? Eh bien, tout compte fait, rien ne vaut le ragoût de mouton. Vraiment, des demeurés. Facile de critiquer. Mais qu'est-ce que tu as à me proposer? Le film le plus fourni, le drame passionnel. Ah, pour ça, j'ai un scénario tout prêt. Bon, allez, raconte. De toute façon, on ne pourrait pas l'en empêcher. Eh bien voilà. Une femme décide de tuer son mari avec l'aide de son amant. Et tout de point, un meurtre déguisé en accident. Et alors? Et alors, on pourrait montrer, par exemple, le mari et la femme passant une journée de détente dans la forêt.
Et après, ils installent leur petit pique-nique à l'endroit que les deux complices ont choisi pour leur forfait. Ah, je vois. Ils vont tuer le mari à coup de fusil. Oh non! Le meurtre doit avoir une apparence accidentelle. J'ai ce qu'il faut. J'ai la vieille connarde que mon père conserve pieusement à la maison. Celle qui lui a servi pour le vol crédit agricole? Oui, un souvenir, quoi. Ça pourrait nous servir dans le film. Une vraie grenade? Mais c'est dangereux, ça, dis donc. Alors l'amant dépose de la grenade à l'endroit repéré. La femme n'aura plus qu'à la dégoupiller. Oh non, c'est vraiment trop cucu, ton histoire. Ça ne fera même pas pleurer la caissière du cinage. C'est pas bien grave. Quand un scénario est vraiment trop cucu, il y a une recette infaillible. Il suffit tout bonnement de situer l'épisode dans... Ah, c'est vrai, ça. C'est toujours ce qui se fait. Tiens, Barry Lyndon, par exemple. Et Dieu sait qu'il était bête. T'as raison. C'est facile. Mon histoire se passera donc en 1900. On va toujours... Tiens, on dirait que le mari, de la femme, d'aller lui chercher quelque chose. Ils doivent avoir oublié je ne sais quoi dans la calèche. C'est toujours comme ça avec les acteurs professionnels. Ils n'étudient jamais leur rôle. Mais qu'est-ce qui ratouillait comme ça? Oh, je sais pas. Je l'ai bien expliqué pourtant. Я бы себе сделал, потому что ты опять не можешь, а я бы не шел, не зверь.